Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette Hebdo Crypto, dimanche 23 juillet 2023 en direct de Koh Samui en Thaïlande. Je vous fais un petit Hebdo Crypto, on va passer en revue rapidement les toutes dernières actualités. On va surtout se projeter sur la semaine prochaine, trois faits marquants cette semaine. Numéro 1 pour moi, c'est la fin de la Bitcoin Season, on va aller voir ça concrètement. Numéro 2, le 26, ça va être la réunion la plus importante de tout l'été. Ça va donner le la au marché financier pendant les 6 prochains mois. Et la troisième, bien évidemment, je vais vous montrer par A plus B pourquoi Tao vient de rentrer dans le top 100. C'est juste que les sites ne sont pas à jour. Dans la seconde partie, ce que je vous propose rapidement, on va passer en revue des dizaines d'altcoins, justement, dans le cadre de cette fin de la Bitcoin Season. On va se mettre en weekly. On va utiliser essentiellement le Gaussian et en 4 heures pour aller voir s'il n'y a pas des configs sympathiques, des dossiers à aller chercher, que ce soit à l'achat ou à la vente. Très rapidement, on va passer ça vraiment en revue. La première information qui est importante, c'est que le Nasdaq s'est un peu replié en fin de semaine, mais n'oubliez pas que le Dow Jones, il vient d'enchaîner 10 séances consécutives d'affilée. Ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Le record absolu de gains quotidiens, c'est 14, ça remonte à 1896. Donc c'est un record énorme. Ce que j'ai envie de dire sur les marchés financiers, on va aller voir ça tout de suite, c'est que les marchés financiers, faut en avoir conscience, ils sont en surachat. Donc certains vont vous dire que ça peut encore faire monter et compagnie. Les marchés sont en surachat, même des valeurs comme Microsoft font des plus hauts sur des plus hauts. Le marché va chercher la moindre raison pour baisser. Et le pire, c'est qu'on va aller voir avec la réunion de la Fed. En général, les marchés sont pessimistes les jours qui précèdent la réunion de la Fed. Là, les marchés sont optimistes. Et pour moi, c'est jamais un bon signe. Je préfère qu'ils soient pessimistes, qu'ils broient du noir, que ça baisse. Et avec la décision de la Fed, on a plutôt des éléments plus favorables qu'anticipés. Et on a les marchés qui repartent à la hausse. Là, les marchés, par exemple, on va aller voir la réunion de la Fed, c'est le 26 à 20h. Les marchés anticipent que c'est la dernière hausse de l'année. Alors que dans la dernière réunion, ils ont dit qu'il y aurait peut-être plusieurs hausses avant la fin de l'année. C'est vraiment ça le débat et ce qui va se décider. Au niveau de la bourse de Paris, on est pratiquement sur les plus hauts. Au niveau du Nasdaq, on est pratiquement sur les plus hauts, même si les plus hauts, c'est autour des 16 000. Mais surtout le Dow Jones qui vient d'enfiler 10 séances de hausse consécutives. La semaine prochaine, on va avoir une semaine très très dense. On est en plein été, vraiment fin juillet, début août. Et pourtant, des indices PMI un peu partout dans le monde, c'est l'activité industrielle. Mardi, confiance des consommateurs. L'indice IFO qui est très important en Allemagne pour l'activité industrielle. Le 26, on en a parlé, ça va être surtout ça, décision de la Fed, stock de pétrole, et ça continue avec PIB, première estimation dès le lendemain, donc une grosse statistique encore. Donc 26, ça va être très très chaud, ce qui va être important, c'est pas la décision, parce qu'on sait qu'il va augmenter de 0,25, c'est le discours, et donc là, ça va être épreuve de philo, 4 heures, à étudier toute la sémantique, tout le texte, les moindres mots qu'il va utiliser vont être décortiqués, et on va dire jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au week-end, on aura le marché qui aura tranché, je pense, mais entre mercredi et le week-end sur les marchés crypto, ça va mettre plusieurs jours, surtout que le lendemain, PIB, inscription aussi au chômage. Waouh, des énormes statistiques. Et je parle même pas des statistiques en Europe, mais on va être focus sur les statistiques aux US. Vraiment, les marchés regardent essentiellement ça. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que Celsius Network était ce qu'on appelle sous la loi des protections chapter 11, chapitre 11, et c'est un statut qui est intéressant parce que ça permet à des entreprises de se redresser. Et c'est le cas pour Celsius Network, qui sont en train de sortir de la banqueroute, donc peut-être que ça va repartir, comme quoi c'est jamais mort, c'est comme FTX récemment. Moi, j'investirai pas dans ce genre de projet, ça m'intéresse pas. J'investis dans BNB, mais voilà, même FTX, peut-être ils vont s'en sortir de cette banqueroute. Et de toute façon, c'est positif. Qu'on aime ou pas XRP, qu'on aime ou pas FTX, Celsius et tout ça, le fait qu'ils revivent et qu'ils sortent de la banqueroute, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que mine de rien, le secteur, bah voilà, il arrive à se régénérer. Ce qui est très intéressant pour avoir le focus de ce qui s'est passé, il s'est pas passé grand chose. Il y a Gary Gensler qui nous a fait un peu un caca nerveux dans une interview où on en avait parlé par rapport à la décision de la justice qui ne va pas dans son sens. Et donc, voilà, Gary Gensler, peut-être on va le revoir. Ce qui va être important aussi cette semaine, c'est qu'il y a des choses qui se passent au Sénat aux États-Unis par rapport à la DeFi, en particulier par rapport au stablecoin. Il y a peut-être des choses, j'ai pas tout lu dans le détail, j'ai pas le temps, mais je sais qu'il y a des choses, j'ai lu le 28. Donc n'hésitez pas à me préciser si vous avez plus de détails, mais je sais qu'il y a peut-être un texte qui va sortir sur la réglementation des altcoins aux États-Unis, des stablecoins. Donc c'est vraiment la DeFi, et la base de la DeFi, ce sont les stablecoins. Je crois qu'il y a peut-être un truc qui va sortir cette semaine aussi, on verra, ça aura bien évidemment un impact. Et après, ce qui est important, c'est que ça y est, là, il y a beaucoup de demandes d'ETF qui ont été validées, donc c'est la demande qui est validée, ça y est, elle est acceptée, on va dire. Et donc, on a un délai, on attend des réponses entre les premiers retours sur le mois d'août, tout simplement. Je dirais plutôt fin août.
Et ensuite, Robert Kennedy, candidat à l'élection, qui veut backer le dollar avec le bitcoin. Là, c'est vraiment de la presse people parce que, voilà, je n'ai pas de jugement, mais je ne le trouve pas hyper crédible, ce mec-là. C'est pas que je ne le trouve pas crédible, c'est que je pense qu'il a très peu de chances d'être même le candidat démocrate pour les prochaines élections. Et donc, voilà, en tout cas, il est friendly et on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, s'il passe, bah, imaginez, ça peut être complètement fou, mais je dirais que c'est plutôt pour la presse people, ce genre d'actu. Donc là, c'est mathématique, hein, on peut dire ce qu'on veut. On est sorti de la Bitcoin season exactement comme prévu. Ce qui est intéressant, c'est que le mois dernier, comme quoi les marchés se répètent, on est rentré en Bitcoin season. Bitcoin season, c'est sous les 25. En avril, on est sorti à peu près en juillet. On est rentré en avril, on sort à peu près en juillet. C'est fou comme parfois. Et ce qui s'est passé, surtout ce que j'explique à beaucoup de gens ici, quand je dis ici, il fallait accumuler des altcoins. Parce que ici, si vous avez accumulé des altcoins, ensuite, quand on fait ça, bien évidemment, les altcoins, ils explosent par rapport au bitcoin. Et on voit que de toute façon, il commence à avoir de plus en plus de tokens qui sont pas loin du bitcoin en termes de perf. Parce qu'ils mesurent finalement que le top 50. Ils se limitent au top 50 sur 90 jours. Et donc, on voit que ça peut vraiment basculer en altcoin season et ça peut être violent. On espère certains tokens comme Matic, Atom qui vont aller exploser à un moment donné des Polkadot et ça fera exploser avec XRP aussi bien évidemment. Je pense que c'est XRP qui a donné du jus à cet indicateur. Mais comme quoi la patience paye toujours, pareil, c'est pas encore les gains, on n'en cache pas des gains, mais quand on sera là, vous verrez, je vous dirai attention, prenez des bénéfices sur les altcoins tout simplement. C'est le but du jeu et c'est pour ça que je suis pas un fan de HODL. Parce que vous voyez qu'en 12 mois, on a eu Bitcoin Season, Altcoin Season, Bitcoin Season. Donc les gens qui parlent de HODL, moi honnêtement, je suis pas un HODLer et voilà. À part sur très peu de projets. Très important, on va avoir la clôture des options. On est bien d'accord, ça a de moins en moins d'impact, je trouve, sur les marchés. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les volumes. On n'a pas des gros volumes en plein mois de juillet. Et grosso modo, on a 2 milliards, quoi. On a 2 milliards. Et surtout, le max pain, il est à 29 000. Il est cohérent avec le cours qu'on a aujourd'hui. Mais je dirais que les options, c'est surtout la Fed qui va avoir un gros impact. Mais quand même, c'est tous les derniers vendredis du mois. C'est très simple. Vous allez ici, vous allez sur la bonne date. Vous regardez, dernier vendredi du mois. Ensuite, Tao, j'ai fait un petit tweet. Les gens, je crois, des fois, ils ont du mal à comprendre. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi bien CoinMarketCap, que CoinGecko, ils sont très très bons, ils m'ont même répondu sur Twitter, ils corrigent à chaque fois. Ah bah ça y est, ils ont mis à jour, c'est complètement fou, voilà, c'est officiel. BitTensor, on le voit en direct, c'est incroyable. Ils ont été super cool, je les aime bien et j'aime bien leur outil. Je suis pas partenaire avec eux du tout, je gagne rien du tout avec ça, mais vous savez que j'utilise cet outil depuis un an et demi, je pense que je suis l'un des premiers youtubeurs à l'avoir utilisé. Petit à petit, tout le monde l'utilise, même les plus gros. Comme quoi, c'est toujours les petits youtubeurs qui amènent de l'innovation. Mais regardez Tao. Ce que j'expliquais, ils viennent de mettre à jour 425 millions. Tout à l'heure, il était à 350. Et là, ça a un peu baissé, 405. Mais il était déjà dans le top 100, c'est juste que c'était pas à jour. Voilà. Donc là, merci beaucoup. J'en profite pour vous saluer Crypto Bubble. Et je fais ça, bien sûr, bénévolement, mais ça fait plaisir. Voilà, on a les deux extrêmes. Le CAS, on va aller le voir. Et le Tao sur lequel bah, c'est quand même un truc de fou. Moi, il me paye mes vacances, c'est un truc de sur un mois là. Bah voilà, j'étais en vacances pratiquement sur tout le mois. Il a doublé pratiquement. C'est une très très belle histoire. Donc ensuite, au niveau de la semaine, si on fait un bilan maintenant hebdo, bah, on a Tao, on a CAS, on a XDC aussi qui sort de nulle part et on a XLM qui surperforme. C'est intéressant par rapport à XRP. Vous savez, c'est le cousin d'XRP. Un ancien d'XRP qui a lancé ben, un projet concurrent et assez similaire à XRP et il a l'air de surperformer par rapport même à XRP. XRP lui a lancé le truc, on dirait qu'il part tout seul. Et on a Chainlink aussi, ça fait plaisir. SNX dans la DeFi, on a Kant qui se réveille un peu et on a Tron aussi qui avait fait un petit coucou à un moment donné. Des volumes très très faibles, rien à dire. Autour des, 20, des 30 000, autour des 1009, franchement rien du tout à dire. Tao, ça fait plaisir. Ensuite, ce que je vous propose, on va se mettre en weekly en 4 heures, parce que c'est comme ça que j'analyse en vacances, j'ai pas beaucoup de temps, mais je pense que c'est suffisant, je me mets en weekly, je regarde tout simplement les Gaussian. Euro-dollar, ça fait plaisir, on est passé du rouge au vert, on explose tout, on est dans cette thématique. Ça me rend hyper positif, tout simplement, on le sait, le halving, tout ça. On accumule les indicateurs qui nous confirment qu'on va se gaver dans les 12-18 prochains mois, honnêtement. On a mangé notre pain noir, le pain noir, il était là. C'est l'euro-dollar qui est en train de se retourner. Le Bitcoin, bah vous voyez bien, et ce qui est intéressant, c'est quand même la légère avance. L'euro-dollar, il est toujours en avance de phase, comme je l'explique beaucoup, mais je me répète, c'est pas grave, parce que c'est la base de ça, pour moi, des marchés financiers. L'euro-dollar est touché un plus bas le 19 septembre, il commence à rebondir, alors que le Bitcoin, il a fallu attendre, hop, il a fallu attendre novembre, un truc comme ça.
Et donc voilà, il est un peu en retard, mais l'euro-dollar nous donne le tempo. Il faut qu'on bascule du rouge au vert. Après, ça ne veut pas dire que c'est la fête au village tout de suite. Je vous le dis, on a 6 mois peut-être un peu galère, mais 6 mois, je l'explique et je me répète, et on va le redire à chaque fois, 6 mois exceptionnels pour faire du DCA. Je ne suis pas fan du DCA aussi, comme le HODL, mais faire du DCA dans cette phase-là, juste avant l'explosion, c'est pas compliqué ce que je dis, mais c'est quand même magnifique. Même une personne qui arrive aujourd'hui, quel que soit, vous avez fait des grosses pertes là pendant 2 ans, faites-vous peut-être un portefeuille, vous repartez à zéro, vous faites du DCA sur des gros dossiers. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de mieux comme conseil, même si je conseille jamais le DCA. Mais là, par contre, moi, j'étais là, voilà, à ce moment-là, là, quand j'ai commencé, j'ai vécu ça et voilà, on est pas loin de quelque chose de sympa. Ethereum légèrement décalé par rapport au Bitcoin, on l'a vu avec l'Alcon Season, c'est l'Ethereum aussi qui va donner le ton. Binance, c'est compliqué, hein. On est sur le bas du Gaussian, mais moi j'ai investi, j'attends peut-être une cassure peut-être je vais doubler ma ligne, j'en ai 10, j'en prendrai 20, j'hésiterai pas, c'est le leader mondial quand même des exchanges. BitTensor, on en a parlé, ça va aller vite, et on fait un W, voilà. Après, je vous ai dit, peut-être je vendrai entre 100 et 120, finalement je vais pas vendre, parce que ce mois-ci, mine de rien, ça a explosé ma position, et j'ai pris 5 Tao. Et donc, je trouve que c'est incroyable, quoi. Ça veut dire que, et je remets 500€ tous les mois. Je vais continuer sur cette dynamique. Par contre, si on explose les 100, 120 et tout ça, peut-être que, comme je vous l'expliquais, quand c'est trop haut, je mets 500€ tous les mois sur Mexé. Et peut-être je les mettrai en USDT. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'achèterai sur Repli uniquement. Parce que j'ai pas envie d'en acheter au-dessus de 100 pour l'instant. Je pense qu'au-dessus de 100, par contre, ça va pas aller tout chousse à 1000. Faut être réaliste. Et c'est ça le message un peu de rigueur quand on investit. Je veux pas vendre du rêve. Pour moi, il ira à 1000, ce token-là, facilement. Mais il va pas y aller tout droit. Regardez le Bitcoin en 2013. C'est assez similaire, je trouve. Il a explosé autour des 150. Et d'ailleurs, il est redescendu après l'été, début là, septembre-octobre. Et il est allé taper les 1000, 6 mois ou quelques temps après. Donc, ça n'ira pas tout chousse aux 1000. Mais c'est assez fou. Atom, on est encore sur le bas du Gaussian. Mais je pense qu'accumuler de l'Atom, vu la qualité du dossier, pareil, faire du DCA, c'est une très bonne idée. Matic, exactement pareil, je l'explique, sous le dollar, c'est cadeau, et le milieu de son Gaussian, c'est un dollar. DOT, ça se rapproche, mais vous voyez bien que c'est moins bien que les précédents. Moi, je fais du DCA quotidien sur DOT, je continue. ILV, bah, vous voyez bien que c'est encore moins bien que les dossiers précédents, mais vous voyez bien que ça, il n'y a plus de jus à la baisse, quoi. C'est au plus bas, et petit à petit, il faut attendre quand même des signaux de retournement. Pour ceux qui sont un peu frileux, pour les plus ambitieux, bah faire du DCA, moi c'est ce que je fais depuis un petit moment. Je perds pas beaucoup parce que ça stabilise, et voilà. Chainlink, on l'a vu, bah c'est en train de taper le milieu du Gaussian. Peut-être ça va un peu se faire rejeter avant d'aller viser le haut du Gaussian autour des 10,90. Stacks, ça a complètement explosé, mais vous voyez, c'est revenu, et c'est venu s'appuyer sur le milieu du Gaussian, c'est intéressant, c'était un super cours d'achat. Vous voyez, entre le milieu et le haut, là peut-être ça va revenir sur le milieu à 0,56 avant de vraiment exploser, mais il est sur une bonne dynamique quand même, on attend qu'il confirme la sortie, il avait essayé ici mais il s'est fait rejeter. CKB, bah, je pense que ça fait partie des dossiers que je vais vraiment accumuler sur les 6 prochains mois, essayer de faire une belle position à plusieurs milliers d'euros tout simplement. Cadena, pareil, un peu moins que CKB mais je vais aussi en accumuler. Océane, bah, on en a parlé, j'ai toujours sur la même dynamique, pour moi ça va faire ça, on va voir. Je pense que tous les dossiers IA, GRT aussi pareil, mais plutôt sur le bas du Gaussian, alors que là on est en avance, et encore plus en avance c'est lui, parce qu'il est même dans le vert. Donc lui pareil, je pense que c'est un bullfly. Anchor, il est en train de rebondir là, et je pense que c'est une super zone d'achat ici encore, sur le bas du Gaussian, viser le milieu du Gaussian, ça donne 0,3 centimes 6, et après au-dessus c'est 4 centimes 7. Ça fait des super perspectives. Tout simplement, dans les dossiers d'infrastructure tech, vraiment blockchain d'infrastructure, c'est mon dossier préféré. C'est incroyable ce qu'ils font. Je pense qu'il va complètement exploser ses anciens plus hauts. Allez, je vais dire peut-être une folie. 20 centimes ici. Les gens vont dire que je vends du rêve. Honnêtement, je pense qu'il peut aller toucher le dollar. Donc ça paraît complètement fou. Ça ferait un x40 sur les niveaux, mais je le pense vraiment. Fantôme, pareil, dans la DeFi, l'un de mes dossiers préférés. Complètement sur le bas. Et ça vient sur un vieux support. Cours exceptionnel pour en prendre, je pense, du FTM. Personne n'en parle en ce moment, j'en parle pas beaucoup, mais je note que c'est super. App, c'est un peu catastrophique ce qui se passe. Heureusement, j'en ai accumulé énormément avec des stackings à un moment donné à 150%. Maintenant, ça baisse, mais j'en ai tellement accumulé et gagné en stacking, bah, j'attendrai un rebond, mais ça sent pas très bon là. VeChain, c'est propre, ça commence à revenir.
PP, rapidement. XRD, on en a parlé, c'est quand même dans le milieu. C'est assez risqué parce que ça peut réintégrer un range entre 3 et 6 centimes. Cello, comme beaucoup de dossiers, sur le bas de son... Voilà, flux, c'est pas une super dynamique, mais c'est encore en dehors, voilà, ça se tente ou pas, ça dépend du niveau de risque. AVAX, pareil, sur le bas du Gaussian. Cardano, sur le bas du Gaussian. XRP, bah c'est très clair, hein, ça explose tout. Ce qui va être important, c'est la clôture hebdo. On dirait qu'il se fait peut-être encore rejeter sur le triangle. Est-ce qu'on va revivre ça? Je ne pense pas. Après, si on revit ça, peut-être ça va revenir ici. Ça serait un classique, hein. Ta séance, on explose. On vient pullback, et je vous l'ai dit, autour des 0,56, là, je doublerai tout simplement ma ligne. J'en ai repris 400 pour 400€ à un moment donné. J'en avais déjà, et ben je ferai x2 par rapport à tout ce que j'ai sur XRP, uniquement sous les 0,60. Je pense que ça peut faire un pullback, c'est pas impossible. Basic Attention Token, c'est pas encore exceptionnel. NIR, c'est vraiment faible. Algorand, waouh, c'est compliqué. Vous voyez, ça va très vite avec le Gaussian. GMLR, ça a l'air de tenir le bas de son Gaussian, et le Gaussian, entre la borne haute et borne basse, ça se resserre, c'est peut-être explosif. Vous savez que j'ai une petite position aussi. Quantum, c'est pas mal, vraiment pas mal, c'est en train d'essayer de revenir. Zen, vous voyez bien que c'est moins bien, tout ça c'est moins bien. Dicrid, waouh, Dicrid c'est compliqué, je reste confiant sur le dossier. Zilliqa, ça tente quelque chose. Klein, c'est pas encore pour tout de suite. Axelar, j'attends de voir des confirmations, pour l'instant ça a l'air de rebondir, mais ici aussi ça avait l'air de rebondir, ici aussi ça avait l'air de rebondir, méfiance, le signal ça serait si ça vient taper au-dessus de cet ancien plus haut, donc on va y aller avec des pincettes et tranquillement. Chili, ça tente un rebond dans son triangle, mais on est très loin du Gaussian. Filecoin, c'est pas mal, le Gaussian est vraiment très propre, le borne haute et borne bas sont très resserrés, c'est assez explosif je trouve. Flow, c'est encore faible. Jamy, c'est pas mal. Jamy, c'est en train de vraiment consolider. Kant, c'est un peu bizarre. Du rouge, du vert, ça repasse dans le rouge. Ça a l'air de tenir les 100$. Définir un énorme support long terme, c'est compliqué là en ce moment. Mais ça tient les 100$, tout simplement. DYDX, c'est très positif. Regardez, il va chercher le bas du Gaussian, il va chercher le milieu, peut-être au-dessus. Il y a des choses positives. C'est l'un de mes dossiers préférés aussi dans la DeFi avec XRD. Theta Token, c'est pas mal. Ça va chercher le bas. Loopring, pas si mal. Iota, c'est faible. Edera, bah, y a un petit retour là. Petite tentative. Rose, c'est pas mal. Récemment, je le voyais, il a l'air d'être sur une bonne dynamique. Ça se voit pas là, mais il a fait x2 par rapport au plus bas. Ici, et bah, le bas du Gaussian. Casper, pas grand chose à dire. Render, il est passé du rouge au vert, il est au-dessus. Je pense qu'il est sur du long terme, sur une dynamique positive. À court terme, peut-être qu'il va venir s'appuyer, je sais pas trop dans quelle zone. Cake, c'est faible. IMX, pas grand chose à dire. Gala, un peu faible. Quand il n'y a pas beaucoup d'historique, ça sert à rien, les Gaussian. Il faut au moins qu'il y ait plusieurs années. C'est comme Caspa. Caspa, ce que je voulais vous montrer tout simplement. Je l'ai loupé. C'est comme ça, l'investissement. C'est beaucoup de tentatives. Souvenez-vous ici, je vous avais dit attention, le RSI repli. Il y a eu repli. Il est venu presque sur cette zone ici. Je l'attendais tout simplement au 10. Et incroyable, il a rebondi juste au-dessus, 11 et quelques. Donc voilà, je l'ai loupé. Mais ce que je vois ici, en tout cas, c'est que on arrive sur la zone des 70. J'en ai parlé sur Twitter. Voilà, peut-être qu'il va venir ici. Là, il y aura une dernière folie. Il y a peut-être des gens qui tentent des longs hein, sur des trucs comme ça. Parce que de 70, on est en surachat, mais il est monté beaucoup plus haut. Donc il peut faire une dinguerie à 90. Mais là, à 90, ce qui sera intéressant, c'est au moment où il ira déjà au-dessus des 80, c'est de regarder à quel niveau il va être. Bah déjà, cette semaine, on va avoir la bougie, ou la bougie d'après de la semaine prochaine. Et si on confirme ce genre de RSI, tout simplement, hein, mais là, cette fois-ci, on sera peut-être moins gourmand à l'achat, W, bah là, justement, il pourrait potentiellement revenir dans cette zone. Un joli Mickey, tout simplement. C'est pas que je l'espère, mais c'est complètement possible. Le RSI, il est bouillonnant. Ici, il fallait être patient parce qu'il a explosé les 70. Alors qu'on était là, il a continué encore à exploser. Donc, faut faire attention. Par exemple, ceux qui veulent shorter ça, bah ici, ceux qui shortaient à 70, ils sont tous fait exploser parce que de 70, ça valait. Voilà, ça a fait une performance de dingue. Avant vraiment de se retourner, faut être patient. Et je serai patient. Et à un moment donné, si ça fait un joli Mickey, eh ben j'en achèterai ici. Simplement, hop, hop, hop.
Et je pense qu'on a à peu près tout vu. AGX, ouais, AGX c'est pas mal aussi en weekly. AGX c'est pas mal du tout, ouais. Je vous ai dit, c'est en train de définir une belle zone de support. AKT c'est pas mal, ça a l'air de rebondir aussi. Ça a l'air de sortir du rouge et ça a l'air de faire un bull flag. Pour l'instant, j'ai pas assez, je suis focus sur trop de dossiers, je peux pas me diversifier avec AKT, mais je la suis et je pense que là il y a une belle config aussi sur AKT avec un sur du long terme un énorme bull flag tout simplement. Après TRX, c'est vraiment le dossier qui donne des leçons d'investissement à tout le monde. Regardez, là c'était le bull market, il a fait du vert, c'était le bear market et voilà le bull market. Mais depuis, regardez, on dirait qu'il a pas connu le bear market et lui pareil, il fait mieux que le Bitcoin en fait. Il passe du rouge au vert, ça veut dire qu'il explose par le haut et en plus il est déjà en train de basculer dans le vert. Il fait un peu comme l'euro, donc voilà, très très beau dossier, quoi qu'en disent certains. Litecoin pareil, il est passé du rouge au vert, il a explosé, il est en avance par rapport au Bitcoin, il y a son halving bientôt. Moi j'ai un long depuis plusieurs semaines et on verra si ça va payer, mais voilà, je garde mon long pour l'instant, on verra. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il va exploser à 150 et là je me rémunérerai tout simplement. Après sur le Nasdaq, on est sur une très très belle dynamique, je voulais finir sur ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet hebdo, ça va être l'heure d'aller à la plage. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez apprécié ce petit dossier, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément. Ciao tout.